La quotidienne du Salon de l'Agriculture vous est présentée avec la participation du Crédit Agricole du Maroc. Cette convention, elle permettra de financer les agriculteurs qui viennent rejoindre le groupe, le plan Maroc Vert en ce qui concerne l'agriculture des oléagineux. C'est un plan très ambitieux. Le Maroc a aujourd'hui importe la totalité de ses huiles. Nous consommons entre 450 000 tonnes et 500 000 tonnes par an, et toutes ces huiles-là sont malheureusement importées. La deuxième convention est signée cette fois-ci entre la société Le Sieur Cristal et le Crédit Agricole, et elle rentre dans le cadre là aussi de l'agrégation en ce qui concerne les plantations d'olives. Bien, nous avons aujourd'hui une ferme de 1200 hectares avec une unité de trituration qui a nécessité un investissement de plus de 30 millions de dirhams, une très très belle unité. L'élevage occupe une part importante dans notre production agricole. On estime à peu près à 23% dans l'intérieur brut marocain. Et c'est surtout les petites exploitations qui sont très utiles aux petits agriculteurs. Vous savez, dans le monde rural aujourd'hui, c'est surtout l'élevage des petits ruminants, caprins, qui utilisent le plus de main-d'œuvre. Cette année, nous sommes venus avec un ensemble de races sélectionnées que vous pouvez voir là-bas dans le hall de l'élevage, qui sont très importantes. Notre travail, c'est surtout de sélectionner, de faire surtout un travail, pas sur la quantité, mais sur la qualité. La qualité bio, puisque cette année, le thème de la 7e édition, c'est sur le thème de la bio, la production bio. Aujourd'hui, grâce au Maroc Vert, nous sommes arrivés à pratiquement 140 groupements, donc nous n'en mettons pas 3. C'est très simple, nous sommes dans une région où on peut faire de l'élevage et on demande au DPA, au directeur régional, voilà, il y a un groupement à faire, est-ce que vous pouvez nous avancer les fonds nécessaires? Et nous avons les fonds nécessaires en un groupement. C'est comme ça que nous avons évolué. Nous. Je dirais maintenant, on peut prétendre que nous sommes le plus grand salon d'Afrique. La quotidienne du Salon de l'Agriculture vous a été présentée avec la participation du Crédit Agricole du Maroc.